Bonjour et bienvenue dans cette vidéo live and direct. C'est Love and Peace au micro, love pour les intimes. Et c'est une vidéo pour le clan KGB. Et ceux qui s'y connaissent un petit peu, ceux qui ont suivi les actualités récemment du jeu vidéo, reconnaissent ce symbole maintenant devenu mythique dans la série des jeux de rôle. Oui, c'est bien le célèbre Skyrim, The Elder Scrolls 5. Voilà, donc une petite vidéo pour vous montrer mon personnage, tout simplement. Donc c'est un mage, pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent faire un mage, créer un personnage mage, ben voilà, c'est l'occasion ou jamais. En plus, là, je joue avec le nouveau patch qui est récemment sorti aujourd'hui, vendredi, je ne sais plus, vendredi 10. Ah bon, j'aurais pensé le 11, moi. Donc vendredi 10 février, voilà, donc un patch de 93 mégas, si je me rappelle bien, qui est censé, régler les problèmes de ralentissement, tout ça par rapport aux sauvegardes, et du coup régler le problème du fait de ne plus pouvoir jouer tellement c'est horrible, tellement ça ralentit, tellement ça bug. Normalement il aurait pu y avoir de problèmes de ce côté là. Voilà, petite parenthèse. Alors je me souviens plus, ah oui, j'avais buté quelqu'un sans faire exprès, ça je m'en rappelle. Donc voilà, donc je suis un mage tourné vers la destruction avant tout, je l'avoue, je le dis, je l'assume, oui je suis un destructeur, voilà. Donc pour faire un petit récapitulatif, ceux qui veulent créer un mage, surtout je vous conseille de choisir la race des hauts elfes, voilà, parce qu'ils ont le pouvoir tout simplement parce qu'ils ont le pouvoir régalien qui permet de récupérer une fois par jour toute votre magie d'un coup. Et contre des boss ou des personnages assez puissants, ça peut être assez intéressant comme pouvoir. Et en plus, ils ont bien sûr des avantages au niveau de l'illusion, quelques pouvoirs en plus comparés. Enfin, ils sont axés surtout pour la magie. Donc, voilà, si vous voulez prendre un mage, c'est la race à prendre. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez faire d'autres mages. Moi, je suis un mage, donc, comme vous pouvez le voir, qui ne porte pas d'armure. En plus, là, je viens juste de récupérer, donc entre guillemets, le titre d'archimage de l'académie de Fort d'Hiver. Voilà, donc si vous voulez être mage, je vous conseille, même avant de faire la quête principale, d'aller directement à l'académie de Fort d'Hiver et de, donc à Fort d'Hiver évidemment, et de faire les quêtes de l'académie, car c'est là que vous ferez vos armes en tant que mage, tout simplement. Hein. Il n'y a pas à chier là-dessus, vous pouvez pas à tortiller du cul, comme on dit, dans le milieu des mages. Hein. Voilà, donc moi, donc du coup, je viens de récupérer. La robe de l'archimage. En fait, je suis devenu archimage de l'académie de Fort d'Hiver. C'est-à-dire, c'est le mec qui décide qui est fort. Voilà. Donc, je me la pète. Oui, je me la pète. Voilà. Et en plus, j'ai gagné un masque Galéclas. Vous allez pouvoir voir dans mes objets. Voilà. Donc, ça sauvegarde évidemment. Donc, dans mes objets. Voilà. Donc, j'ai l'amulette de Savos Arène, donc qui était l'ancien archimage qui est malheureusement décédé dans un accident magique, j'ai envie de dire. Voilà, donc évidemment, moi j'ai accès surtout donc sur plein de choses, donc voilà, des anneaux chantés, des machins, des trucs, et surtout donc voilà le Morokei, donc c'est le masque de Morokei qui régénération magie 100% plus rapide, et la robe de l'archimage, tous les sorts vous coûtent 15% de moins, plus 50 points de magie, et la magie se régénère 100% plus vite. Donc je peux vous dire que voilà, donc moi je suis surtout axé sur le feu. Regardez, vous allez pouvoir voir, ceux qui connaissent un peu en magie, voilà, en gros ma magie, vous voyez, elle se à peine, alors que avant avoir ces deux équipements, j'ai fait ces quelques missions, bon, qui étaient très très dangereuses et très très longues en fait, entre guillemets, j'en ai chié un petit peu, ces boules de feu me prenaient en faire que deux, et voire trois au pire sur des potions, et toute ma barre était vidée. Là maintenant, regardez, je peux en tirer des dizaines et des dizaines, ma magie se régénère quasiment instantanément grâce à ces équipements. Voilà, on va arrêter de faire les cons, sinon je vais me faire arrêter. Tiens, je vais vous montrer un peu l'académie de Fort d'Hiver. Hein. Donc là, bon, c'est une vidéo un peu axée sur le mage. Certains diront, ouais, on veut voir des guerriers, nanani, nanana. Eh bien non, voilà, on l'avait dans le cul. C'est sur les mages. Voilà, donc on va passer à l'académie de Fort d'Hiver. Vous allez voir dans quelques secondes.
Alors, nous voici donc dans l'académie de Fort-Hiver, l'académie où d'ailleurs ils ont laissé le cadavre du dernier méchant que je viens de battre. Voilà, qui était un mage d'ailleurs de l'académie de Fort-Hiver et qui s'est un peu retourné contre l'académie tout simplement. Donc je lui ai botté le cul façon maison. Voilà donc on va carrément monter dans mes quartiers car oui monsieur, oui j'ai des quartiers, je suis de l'archimage donc j'ai des quartiers, c'est la classe de les voir. Bon, ça sert pas à grand chose, je l'avoue. Il y a quand même un atelier donc ça permet de pouvoir créer des potions si vous êtes plutôt alchimie, ce qui est le cas pour moi. Donc voilà, vous allez voir, attention, hein, c'est la classe. On se croirait à Kaamelott carrément. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ma baraque en fait, en gros quoi. Donc oui, c'est la classe quoi, il faut le dire. J'ai tout plein de gemmes, j'ai tout plein de trucs, de bouffe, de. Bon, il faut dire que j'avais déjà volé les armes avant de devenir archimage, donc il n'y a plus d'armes, mais voilà, je les ai revendues. Mais il y a des bouquins, il y a plein de choses, tout ça c'est gratos, c'est offert par la maison parce que j'aurais sauvé les miches un petit peu, il faut le dire. Donc voilà. Donc ici, donc on a un laboratoire alchimique et là-bas on a, hop, vous pouvez me voir, un hôtel d'enchantement. Donc ceux qui font l'enchantement, ben, pourraient se retrouver. Donc voilà, donc vraiment, c'est hyper essentiel ben, de l'avoir ce quartier d'archimage parce qu'ici même, regardez, vous avez tout plein de plantes, de légumes, de machins, de trucs, si vous voulez tester des trucs. Alors, est-ce que ça repousse? Franchement, je sais pas. Si vous barrez et que vous revenez quelques temps plus tard, est-ce que ça repousse? Je ne sais pas. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir, on va essayer, je montre. Donc l'alchimie, c'est ça en fait. C'est donc, vous voyez vos ingrédients. Donc j'ai plein d'ingrédients, moi. Il faut les ramasser au fur et à mesure ou les prendre sur les cadavres, évidemment. Chaque ingrédient a 4 effets différents. Voilà, tout simplement. Au début, vous ne les connaissez pas du tout, évidemment. C'est en les goûtant que vous les connaîtrez, ou par les recettes que vous les connaîtrez, pas autrement. Voilà, donc par exemple, je vais manger. Par exemple, là, je pouvais pas, mais si vous voulez le manger, vous allez dans vos objets. Vous faites manger, voilà, tout simplement. Donc après, il suffit soit de récupérer des recettes pour faire les bons mélanges, soit carrément bah, de tester au hasard, tout simplement, de se faire plaisir, hein, de jouer les alchimistes en herbe, comme on dit. Donc je vais tester, regardez, bon, au hasard, hein, je connais pas l'effet en plus, donc voilà. Donc je mets ça, et je vais mettre un œil d'araignée, tiens. Voilà, et après je fais carré. Et voilà, paf, pastèque, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc là j'ai créé quelque chose, tout simplement. Créer poison, dégâts magie récupération. Effet découvert, dégâts magie récupération, dégâts magie récupération. Donc là, ça crée un double truc. Donc en gros, ben, le mec, si je mets ça, il va avoir du mal à récupérer sa magie. Voilà, c'est tout simplement. Après, ça marche pas toujours. Une oreille d'elfe, je sais pas si ça a marché. Après, je peux, voilà, je peux par exemple essayer de mélanger, on va essayer de manger avec un poisson, un œuf de poisson carnassier. Ah, donc là voilà, j'ai créé donc deux potions, c'était assez puissant donc c'est bien. Tiens, je vais tester ça avec une perle. Paf, voilà, restauration de vigueur. Mais c'est nickel ça. Donc voilà. Donc c'est à vous après, ben, ensuite de vous faire plaisir, hein, comme on dit dans le jargon de l'alchimie. Donc, ensuite. Bonjour mon brave. On pourra encore peut-être avoir quelques décennies sans catastrophe. Ce serait bien. Voilà. Donc dans l'académie, en On plus, pourra encore peut-être. Il y a pas Il mal me de faut d'autres missions. Donc pièces là, évidemment, d'équipement, on s'en tape, hein, c'est pas le but. Ce n'est Entre pas grand-chose. guillemets, ces petites Moi, missions. pas Après, vous avez les nécessairement. quêtes principales, on va dire, de l'Académie Fort-Hiver. Des quêtes diverses, un petit jeu de mots. Donc voilà, et bien après, c'est à vous de. Une fois d'avoir fini, je vous conseille d'abord de faire la quête principale, évidemment. Et ensuite, et bien, de faire les petites missions toutes pourries qui sont à côté, quoi. Voilà. En plus de ça, chaque mage de l'Académie de Fort-Hiver vend des objets et est spécialisé dans une sorte de magie, illusion, conjuration, etc. Donc pourra vous faire passer des niveaux en leur donnant quelques piécettes, comme on dit, hein. Et suivant votre niveau, ça augmentera, évidemment. Voilà. Donc.
Voilà. Ah, on peut voir un petit bug de dragon. Parce que j'ai buté un dragon par ici. Comme vous pouvez le voir. Ouais, donc il bug. Bon, ça, c'est pris à payer. Ah, il y avait quelqu'un là. Donc, on va essayer de se trouver une quête intéressante. Et puis, bah, faire une quête ensemble. Hein, tous ensemble. Que nous sommes braves chevaliers. Hein, comme on dit dans le jargon. Faut que j'arrête avec ça. Parce que, bon, voilà. Enfin, bref. Alors. On peut apprécier aussi les musiques qui sont magistrales dans ce jeu. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Voilà, donc il neige, c'est la nuit, ça fait peur. Ouh, j'ai peur. Voilà. Oui, mais c'est moi qui l'ai buté, vous le savez, vous m'avez arrêté pour ça. Arrêtez de faire les innocents. Ah, les PNJ. Bon. Alors, nanani nanana, les poules à traduire, enfin, il m'a demandé d'essayer de lui trouver une autre copie. Ça, ça me saoule. Après avoir décidé de trouver la preuve que tu as envie, les gens de lui faire évader du donjon. Ouais. Ah bah ce qu'on pourrait faire, c'est aller se taper un dragon, tiens. Ça c'est rigolo. Est-ce qu'il y en a là? Voilà, trouver un mot de puissance aussi, c'est pas mal ça. Y a pas un dragon par là, putain. Bon, on va essayer de trouver... Alors c'est où? Donc en faisant carré donc évidemment je l'ai pas découvert. Le plus proche endroit que j'ai découvert c'est là. On va se mettre de ce côté de la rive plutôt. On va aller aux pierres gardiennes. Voilà, donc en faisant carré on a la map. Quand on clique sur les quêtes, ça nous indique où elles sont, ce qui est très pratique, et ensuite il suffit de se déplacer instantanément, bien sûr si vous avez découvert un endroit proche ou l'endroit en lui-même. Voilà, par contre s'il est gavé loin, ben, ça vous sert à rien. Après vous avez des écuries où vous pouvez donner quelques piécettes à un brave homme qui vous guidera vers les grandes villes, on va dire, de la map. Voilà, les neuf châtelleries, voilà, tout simplement. Donc là il suffit de retrouver la quête. Donc c'est de retrouver un mot de puissance qui me servira à augmenter mes pouvoirs. Donc les cris de puissance pour ceux qui sont à la ramasse. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe, les mots de puissance, ce sont les mots qui... comment dire? Vous êtes enfant de dragon, il n'y a que vous qui pouvez parler dragon et utiliser leur pouvoir et leurs cris. Voilà, donc parmi les cris que vous choperez, vous en avez quelques-uns et chaque... je crois qu'il y en a 11, un truc comme ça. Et chaque cri a 3 niveaux. Voilà, donc pour l'instant le déferlement c'est le premier normalement que vous choperez le plus facilement, les 3 niveaux. Donc ça en gros, bah voilà, ça repousse l'ennemi bon, assez violemment. Voilà, même les mammouths au pire. Voilà. Ça va, ça c'est vachement intéressant, ça peut le ralentir le temps, il y en a qui glacent, il y en a qui font cracher du feu, etc. Donc, par contre, voilà, donc là ici, voilà, tatata. Alors, non, pas si, mais c'est pas ça que je veux. Il est où le mot de puissance déjà? On va mettre, voilà, on va mettre un petit truc.